9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM. Bonjour et bienvenue dans le magazine Où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui Où la santé, un magazine qui nous a le plaisir de faire où ici, Cool FM, côte où peut suivre nous en direct. Et moi, ça contente d'un grand bonjour et un grand merci à tous les téléspectateurs qui vous suivent sur l'émission La Zordi entre 6h et c'était l'eau Saint-Créole. Comme on connaît, nous t'y promettons où lit et nous tenir nos promesses toujours Cool FM. Nous pouvons revenir à Zordi avec encore ben les autres l'information par rapport à cancer. Mais à Zordi, nous pouvons intéresser nous à cancer du poumon avec nos invités, le docteur Rajiv Kumar qui travaille dans Chest Clinic. Le docteur Kumar qui est un chest spécialiste. Donc, vous êtes capable de téléphoner au 433-7937, 433-7938. Si vous avez une question pour nous inviter à Zordi. Il fait partie de ben cancer les plus communs côté nous. Pour ben initier les troisième cancer après le cancer de la prostate et cancer colorectal. Côté ben madame, les numéro 3, pareil, après le cancer du sein et le cancer de l'utérus. À Zordi, nous pour intéresser nous au cancer du poumon. Donc, Zis pour de nous un ben chiffre. Côte d'Admissier, c'est 125 nouveaux cas qui nous ont enregistrés selon le dernier rapport du ministère de la Santé et du Bien-être. C'était en 2019. Et que Côte d'Admadame, 53 nouveaux cas de cancer du poumon indécouverts. Bonjour, docteur Kumar. Bonjour, Nathalie. Bonjour à tous. Alors, docteur Azodi, nous pour cause l'ON de ben cancer les plus complexes, c'est cancer du poumon. Comment est-ce qu'un poumon, docteur, capable d'être cancéreux? Nathalie, comment on peut faire? Ben, c'est une série de ben talks le cancer. Cancer, c'est nous connaît qu'il y a une cellule abnormale qui commence à pousser dans le corps, ok? Qui lui a le plus comment dire loin des dépendants qu'on contrôle. C'est différents organes qui lui affectés avec sa cancer. Là, il fait ce cancer, cet organe. C'est mm-hmm. dans même cause qu'on a une abnormale cellulaire qui pousse dans une trachée, bronche ou poumon intérieur. Il nous dit ce cancer poumon. OK? C'est comme on dit qu'il y a un cancer poumon assez commun. Si nous avons un chiffre local, c'est le troisième cancer dans les hommes, mm-hmm. avec pas mal de bonnes personnes, des femmes qui sont aussi affectées avec cancer poumon. Mm-hmm. Quand on nous connaît qui cancer poumon, il y a un cancer premier en limone, cancer dans anti-limone, c'est numéro 1. Cancer poumon, oui. Mm-hmm. C'est en 2019, il y a 2,1 millions de cas de cancer poumon qui est découvert. Assez, c'est cancer. Pour moi, ce problème, c'est qu'il est assez mortel. Mm. C'est la même raison que si on regarde ben, d'autres cancers, ben, si le cancer découvert un peu des stages, ben, comme en moyenne, il y a beaucoup de cancers qui ont un bon la vie, comme le cancer colon, le cancer prostate. Mm-hmm. Puis malheureusement, ce cancer poumon, il y a une mortalité bien faux. Si on regarde le chiffre aussi, c'est mortalité avec cancer, c'est première cause, c'est cancer poumon. Mm-hmm. C'est tout personne, malheureusement, qui le cancer poumon, il est fatal, surtout qu'on l'a découvert un peu dans tard dans l'âge. Mm-hmm. Et docteur, même si il y a un traitement qui existait, nous dit tous les temps, et il y a la médecine qui va arrêter de faire progrès, mais malgré ça, cancer poumon, elle est cancer quand même poumon, un ouais, cancer très grave. Ouais, très, très grave. C'est une raison qui a beaucoup d'emphasis pour mettre l'emphase pour prévention des cancers, en même temps pour qu'un bon symptôme, qu'une bonne présentation, qui passent les capables venir un petit peu plus tôt dans sa présentation, mm-hmm. qu'une chance
plus qui est déjà avancé. Mm. C'est déjà avancé, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Hein. C'est, conseil pour moi, c'est un peu difficile pour traiter s'il y a déjà avancé, stage 3, 3, 3, 4 ans. Alors, docteur, justement, comment est-ce qu'il ben, dit, bien reconnaître ben symptômes, cancer, poumon? Première affaire, voilà, c'est du coup bien comprendre qui, comment cancer poumon est arrivé. Hein, c'est un cancer qui est preventable cancer. Capable de prévenir, OK? Comme on dit, un cancer qui nous connaît définitivement, de 90% des cas anti-cas dans le monde ou dans Moïse, c'est cancer qui cause par cigarette, un tobacco smoking. Mm-hmm. 90% des cancers poumons, c'est les causes par un active smoking. Ça veut dire un fumeur qui... Il peut fumer, fume cigarette, oui, activement. Dire... Oui. Tobacco, comment tobacco? Quand on dit tobacco smoking, c'est cigarette, cigares, pipes. Tout dépend du nombre d'hommes de l'année. Alors, voilà, c'est comme ça. Qui vous appelle un hard smoker, docteur? Hard smoker, c'est un terme qui normalement c'est personne servi, qui est une personne qui. Combien de cigarettes il fumait par jour, ça dit mon là. Ouais, c'est tout dépend. Hein. C'est dépend. Parfois, il va dire une personne qu'on levait, il a envie de prendre première cigarette en moins 30 minutes. Mm. Ça veut dire qu'il a beaucoup de dépendance sur la nicotine. Quand il levait première fois, la première fonction qu'il fait, c'est qu'il prend une cigarette avant, après il fait boire du café, du thé, après il fait tout des besoins. Mm-hmm. C'est ça qui est une dépendance, OK? Précisément, cancer poumon, nous connaissons, scientifiquement, nous connaissons le nombre de cigarettes qu'une personne qui fume, mm-hmm. nombre de l'année qu'une personne fume cigarette, il augmente son risque. Précisément, quand même, c'est si une personne qui fume moins ou fume... Même un peu de médium. Une cigarette par jour, c'est, disons? Well, c'est cigarette, c'est négatif même. Une cigarette, c'est difficile pour dire qu'il y a une cigarette pour faire conscience. Parce que moi, pas oublier qu'il y a une, 10% des bonnes personnes qui ne pas fument cigarette aussi, il y a un conscience. Pour moi. Ça veut dire qu'il y a certains d'autres facteurs, à part de des tobacco, qui lui font conscience pour moi. Comme on demande une dame. OK, c'est une personne qui a beaucoup d'exposure comme second-hand smoke, passive smoking. Mm-hmm. Passive smoking aussi, il y a une forte relâchement pour faire un cancer poumon. Alors, docteur, explique-nous, c'est quoi un passive smoker? Passive smoker, c'est comme on dit, on peut vivre avec une personne qui fume cigarette activement. Ou pas peut fumer, spécialement à côté ou possible dans notre travail, ou au collègue peut fumer, ou une personne qui est à côté ou lui fumer. Des familles, surtout familiales, des spouses qui sont infirmières, so non-spouses qui ne fument pas de cigarettes, mais c'est quand même les gars exposés avec son linge, qu'on les saute, malgré les fument de haut. Parfois, les patients disent, moi, je fume de haut, docteur, moi, je fume en dents. Mais c'est moi, il n'y a pas de comme ça. C'est quand on fume cigarette, où il y a beaucoup de nicotine avec dans le corps, dans même linge, dans la main, normal. C'est normal, c'est dans la main, des linges, dans ton chevet, les cigarettes qui sont dans la surface de l'écho, mm-hmm. les assez pour exposer une personne. So, comment dire, une cigarette, si une personne, un parent qui fume cigarette tous les jours régulièrement, comment dire, activement, il y a beaucoup d'autres risques aussi pour les enfants, aussi, des maladies respiratoires, des asthmatiques. Les enfants sont capables d'avoir des asthmatiques de bons parents. C'est l'effet des second-hand smoke, comment dire, bien établi. Alors, docteur, encore une fois, hein, parce que dans sa émission-là, ne pas pour arrêter, rappelle certaines quitteuses qui sont capables, néfastes hein, pour ou la santé. Donc, nous peut rappeler tout le monde qui peut écouter nous là, en ce moment, la radio, qui la fumée cigarette. On dit à nous, les docteurs, on peut confirmer nous, les, encore une fois, c'est principale cause de cancer du poumon. Donc, un dimon qui fumait, les cas fument une cigarette par jour, les cas fument la moitié de cigarette par jour à partir du moment qu'il fumait, il expose sur la vie à sa cancer-là. Mais pas fini, quand il peut fumer, si il y a un dimon à côté de lui, sa famille, son camarade, son collègue ou n'importe qui, ça l'a fumé qu'il peut. Qui peut fumer là, qui peut sortir là, il peut affecter aussi ben dimon autour de lui. Donc c'est pour ça. Si ou envie de fumer, d'ailleurs, nous pouvons arrêter, parce que c'est le but de l'émission, la cigarette tue. Donc, si vous êtes capable d'arrêter le plus vite possible, ce serait mieux.
Mais si vous sentez que vous prenez un petit peu plus de temps, je serai que vous pas pour trop tarder par être fumé, mais pas oublier qui est capable d'affecter la vie ben des autres immunes avec ou la fumée cigarette. Donc, si vous voulez fumer, ça, c'est ou responsabilité. Effectivement. Alors, docteur, ça, c'est un immun qui fumait, un immun qui, à côté, qui est capable de respirer ça, la fumée-là. Est-ce qu'il y a ben les autres immunes aussi qui sont capables d'affecter, docteur? Oui. Nous avons remarqué qu'il y a une personne qui ne fume pas cigarette aussi. Malgré ça, c'est, comment dire, 10% dans les mondes, c'est un cancer pour moi, c'est un cancer non-smoking. Oui. Ben personne. Puis c'est moi qu'on regarde un cas comme ça, nous demander est-ce que cette personne-là a une exposure dans son travail, une certaine chimique dans le travail, certaine industrie, comment dire, qui en ont, comment nous tiennent assez vite l'amiante. Ouais. L'amiante, c'est bien établi depuis possible de 1990, qui regarde ça, qui ok, c'est une aussi une cause bien définitive pour un cancer poumon, comment dire, mésothéliome, comment un cancer l'amiante, ok. Spécialement, après de ça, il y a beaucoup de la loi de changer qui pour faire beaucoup de contrôle à l'amiante dans le matériel, pour la maison, pour travailler. C'est une industrie, beaucoup d'industries changées qui n'ont pas servi à l'amiante. Mais quand même, personne qui est exposé dans l'année avant précédente, c'est un risque qui est en train de continuer à un cancer avec l'amiante. Spécialement, il y a. Okay? Mm. Deuxième, c'est après c'est certaines maladies qui nous on a connu qui comme une personne qui souffre avec un BPCO à cause des cigarettes. Parfois les bonnes personnes qui continuent de fumer cigarettes, ils pas un problème cancer poumon, mais c'est vraiment ils ont un problème BPCO, une bronchite chronique. D'un des composants nous dit un emphysème des poumons, c'est un risque augmenté pour un cancer poumon dans ce cas-là. Okay? Alors explique-nous ça s'il vous plaît, docteur. Donc un immune qui fait ben crise de bronchite. Non, c'est bronchite. Il y a un spécifique terme, c'est comme un COPD, une bronchite pneumopathie chronique obstructive, un BPCO. Une bronchite chronique. Bronchite chronique. Puis il y a des composants, il y a spécifiquement un certain type de patient qui a un problème des poumons qui structurellement, ce poumon qui est abîmé bien intérieur. C'est d'autres patients, il y a un risque plus pour un cancer poumon. Mm. OK? Après, aussi, déjà, on parlait d'une maladie de fibrose pulmonaire. Oui. Fibrose pulmonaire, comme une interstitial lung disease, fibrose, c'est d'autres patients aussi en risque pour gagner plus de cancer qu'une personne qui a une fibrose pulmonaire. Alors, malgré une fibrose pulmonaire, c'est quoi, docteur? Fibrose, c'est aussi une maladie. La plupart des bonnes patients, fibrose pulmonaire, il y a une maladie inconnue, comme on dit, nous pas connu ce cause, spécialement beaucoup de patients aussi fument cigarette. Avec une certaine exposure, un certain tabassement qui est exposé avec ça dans la vie, la respiration, dans ce poumon, il devient un peu plus dur. Il ne produit pas aussi d'oxygène dans son écho. Mais dans ce cas, la fibrose pulmonaire, nous avons beaucoup de cas d'hémorragie aussi, en général dans les mondes aussi. C'est aussi nous constater qu'il y a un patient qui a un risque pour gagner un cancer poumon. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité le docteur Rajiv Kumar, qui est chest spécialiste dans le ministère de la Santé et Bien-être. Si vous avez une question par rapport au poumon, capable téléphoner nous au 433-7937 ou bien le 433-7938. Nous pensons jusqu'à 10h ici, au Cool FM. Alors, docteur, est-ce qu'il y a un symptôme, comme on dit, nous allons là, on explique nous un petit peu en détail déjà. Ben cause, mais ben symptôme même. Comment les venir? Pour mon cancer poumon, c'est un cancer qui nous remarque ça, qu'il prend beaucoup du temps pour présenter bien. À cause de cette raison, un patient qui nous découvert pour un peu dans son stage après deuxième ou troisième. Normalement, c'est ben symptôme, c'est surtout ben la toux qui pas, comment dire, guéri, malgré que cette personne prend traitement. Mm-hmm. Après, c'est une personne, parfois, qui a une crache du sang, qu'on les toussait. Mm-hmm. Après, une personne qui a une douleur dans le côté chest, n'importe qui côté, ça dépend de ce cancer est présenté. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui explique, nous, docteur, chest, qui côté il était exactement? Non, chest, c'est, comment dire, il y a un thorax, une région. Pour moi, c'est, comment dire, en là-haut, ventre. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. C'est là, il commence sur le côté clavicule, c'est tout côté là-haut.
les tout, nous avons des organes poumons. Oui. Est-ce qu'il y a, je pense que toute personne connaît qu'il y a nous, oui. des poumons, mm-hmm. côté droit, côté gauche. Oui. Okay? Mm-hmm. C'est, il y a différents lobes dans son poumon. Avec bronche, c'est trachea, c'est une bronche, un conduit musculaire, skeletal, comment dire, un cartilage avec un muscle dedans, qui amène sa l'air, qui nous prend l'air, elle amène des côtés un peu de loin, des côtés poumons qui forment, quand elle fait oxygène avec un carbon dioxide, elle entre dans du sang, elle amène ça dans l'écho, après, le bon du sang, elle amène ça dans l'écho, elle amène avec bon oxygène, peu oxygène, c'est lesquels elle pompe ça oxygène, peu oxygène, là, dans tout organe, ce qui tout organe fonctionne bien. Oui. Ce poumon, ça fonctionne bien pour donner un peu oxygène pour entrer l'écho. D'accord. Donc, aujourd'hui, un dimon, il a gagné douleur dans ce chest. Douleur dans ce chest. Quand tu nous montres, nous, là, il commence depuis en bas du cou. Oui, en bas du cou, jusqu'à en côté côte, à côté de côté, à part derrière, des côtés à côté colonne vertébrale, devant, n'importe qui côté dépend. Et quelle est la douleur, ça, depuis? Est-ce qu'il a expliqué? Ben, douleur bien fort, douleur, intense, ben, douleur. Non, les douleurs. 5 minutes, il a arrêté les réunions. Oui, douleur, il y a une douleur, comment dire, une douleur légère, il continue à gagner. Après, personne vit sur la vie. Ça, c'est raison, comme on dit, qu'il y a un symptôme qui un peu continue personne vivre sur la vie. Il n'y a pas une douleur comme une douleur du cœur. Ce n'est pas une douleur intense. C'est une certaine fois, une personne qui sent une douleur quand elle fait un peu de deep inspiration, comme elle inspire plus profondément, ou qu'on les tousse. OK? Mm-hmm. C'est une passion qui l'écave une présentation comme avec de l'eau dans le poumon. Il conseille, il fait de l'eau dans le poumon, il remplit avec un côté de l'eau là. Puis en passant, il commence à sentir, il souffle quand il fait mouvement, quand il marche, quand il monte l'escalier, il sent qu'il est un peu soufflé. Ah. OK? Mm. C'est après de perdre de l'appétit, perdre de poids. C'est un important dans un tout bon conseil qui le conseille, il commence empêche ou l'appétit. C'est à ce point-là qu'une personne commence à perdre ce poids. Mais quand on peut dire là essoufflé, il commence, comme on dit, à touffer ou bien il commence à perdre un petit peu de respiration? Les perdus, la plupart, c'est une personne qui peut dire que quand il peut marcher, il manque l'air, les souffles, comme on dit. À cause de ça, il y a un certain symptôme qui est un peu... nous demande, est-ce que, imagine qu'il y a une personne qui est déjà 60 ans, d'une diabète, possible c'est une maladie de l'écœur. Il pense parfois les symptômes qui viennent de d'autres maladies. Mm-hmm. Ou il y a activement fumé aussi. S'il a un problème de bronchite chronique intérieure, les poumons déjà affectés, il pas relayé avec bien qu'il est possible de gagner un cancer poumon. C'est avec cette raison, c'est qui nous donne emphasis que toute bonne personne qui a 50 ans, qui fume activement, s'il a certains symptômes de, comme ça, de la toux qui pas. Quelqu'un peut arrêter, il peut perdre ce poids, il peut perdre du sang, définitivement, il y a un signe bien grave. Après, il y a un douleur, après, il y a un manque de soufflement. Il est bien venu devant pour dans le dispensaire ou dans l'hôpital pour faire ce dépistage. Surtout quand il y a un risque facteur clair qui au fume cigarette depuis des années. Nous connaissons qu'il y a l'habitude des cigarettes, il commence très tôt dans la vie. Hein. Ces personnes commencent à fumer cigarette dans l'âge de 15 ans, 16 ans. Ils continuent à fumer cigarette. C'est des nombres de cigarettes, comme on dit, nombres de cigarettes avec nombre de l'année qu'ils fument, ils augmentent tous les risques. Si on fume un paquet de cigarettes, par exemple, on dit un pack years. Pack years, ça veut dire qu'on fume 20 cigarettes par jour pour un an, c'est fait un pack year. Si on fume plus que 20 pack years, ça veut dire de plus que 20 ans, on risque définitivement plus, beaucoup de plus qu'il y ait un cancer poumon. Alors, docteur, allons dire un dimon qui peut fumer pendant 20 ans, il fume un paquet de cigarettes, 20. Zodi, il diminue, il fume des cigarettes. Est-ce qu'il... Le risque, là, est toujours là. Le risque, c'est toujours là. Et, pour donner ça, comment dire, une réponse, c'est nous dire qu'il y a une passion, une personne qui quitte cigarette. Imagine une quitte cigarette oui, complètement. Oui, il arrête de fumer. Il arrête de fumer toujours. Ce risque-là, il est toujours là jusqu'à 10 ans, 15 ans après quitte cigarette là. C'est à cause de ça, nous dit une personne qui voit qu'il est plus bon ou prend une décision pour quitter la cigarette plus tôt dans la vie, qui ou quitter la cigarette après l'âge de 60 ans. Parce que vous pouvez encore un risque jusqu'à l'âge de 65 ans, gagner 15 ans pour fumer. Une information très importante, au cas où vous avez fumé pendant 20 ans, mais même si vous avez dit qu'on arrête de fumer ou bien vous pouvez fumer jusqu'à
10 ou bien 2 cigarettes, ça n'en y est. Ou il y a risque exposé à cancer du poumon. Alors, docteur, je vous propose de nous faire une pause musique. Ouais. Et nous revenons tout de suite après avec vous. Je vous rappelle, ben, auditeurs, qu'ils sont capables de téléphoner au 433-7937 ou bien le 433-7938. Mais nous allons tout à l'heure, justement, nous pour cause le traitement. Parce que dans tout ce qui docteur peut expliquer nous, c'est le côté sombre hein, ouais. du cancer. Mais nous avons l'espoir parce qu'il y a traitement, il y a médicament. Et si vous suivez au traitement, vous êtes capable d'espérer hein, guérir. Et vivre une vie tout à fait normale. Allez, pause musique. Sorti pas besoin pleurer, tout le monde sait qui tout il est. Un qui compte en l'os, en qui peine un sentiment. Tout au bon rêve parent, tout besoin oublié. On lit pas pour nos enfants, on lit qu'on s'y baise les temps. T'as trouvé? Là, je dis que ma dit toi qui es victime dans cette histoire-là. Moi, comme cette fille, une bonne fille. Il n'y a pas de comme ça, lui. À cause de toi, ça, qui ça comme ça, aujourd'hui. Après, tu pas connaître l'amour, pas capable de faire ça. Fille. Les pas connaître ça comme ça. Arrête ça. Ton chanteur est connu devant. Qu'avez-vous, fille, tu es l'amour pour nous. Je dis pas bizarre, pleurer, tout le monde sait qui tout il est.
sentiment. Tout au bon réparant, tout bizarre de lié. On lit pas pour nos enfants, on lit qu'on dise des l'étang. Si t'es en prendre tout l'étang, non pas bizarre de presser. Même si ton amour est non, l'amour pas capable de rester. Zo dit pas bizarre de pleurer, tout n'a ce qui te tille. Un qui compte en l'os, en qui peine un sentiment. Enfants, les consignes baissent les temps. Si t'es pas bon tout les temps, non pas besoin de t'oppresser. Même si ton amour est non, l'amour pas capable de rester. Si t'es pas bon sous l'on Facebook, t'es gagné un zone des mille. Ou t'envoies ton numéro, tu écris l'oublier des mille. Mais pas matérialiste, les contents, si c'est des mille. Avant te présente, toi même te présente des mille. Si t'es pas bon sous l'on de retour au plateau avec nos invités aujourd'hui, le docteur Rajiv Kumar qui est chest spécialiste dans chest clinique dans pour lui. Donc si vous avez une question, vous téléphonez-nous au 433-7937 ou bien le 433-7938 et sans plus tarder, on me fait signe qui nous donne l'appel, c'est Jean-François qui peut téléphoner nous depuis Maybourg. Bonjour Jean-François. Allô. Alors, pensez, nous avons un petit problème de communication. Le temps qui nous assistante à la réalisation Avishti repasse nous à l'appel là, docteur. Mm-hmm. Donc, comment est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous faites un diagnostic cancer? Exactement. Comment expliquer qu'il y a une personne qui a un risque de... Enfin, Nathalie, nous pouvons considérer un petit peu plus de loin. Nous prenons tout bon patient qui a là-haut 40 ans, 45 ans, qui a une history of comment dire, smoking, comment dire, activement smoking. Mm-hmm. S'il y a une personne qui a d'autres symptômes comme la toux, essoufflement, ou les cas du sang, ou les un peu douleur de côté chest là, qui n'est pas passé, quand on vient dans l'hôpital, c'est première rencontre avec qu'on lui fait comme médecin généraliste dans le département de casualty ou dans le département qui lui recevoir ben patient. S'il est trouvé qu'il y a une certaine impression qu'il veut bien faire quelque chose, ses premiers tests, c'est faire nous faire radiographe, chest X-ray. OK. Alors, docteur, vous expliquez-nous si... nous trouve tout hein, dans X-ray et est-ce qu'il dans sa X-ray là, on peut lire si un dimoun est un cancer ou pas. Nous accueillons Jean-François sur le plateau. Okay. Après, nous revenons tout de suite après. Non. Bonjour Jean-François. Allô. Alors, est-ce que Jean-François nous écoute? Oui. Je pense encore une fois qu'il nous a vraiment un problème là, docteur. Nous pouvons essayer de répondre à ça hein, et nous pouvons gagner Jean-François dans de meilleures conditions. Donc, aussitôt qu'il nous pouvons gagner Jean-François en ligne, nous pouvons arrêter, docteur, parce qu'il m'a l'impression que peut-être Jean-François peut écouter nous la radio. Donc, encore une fois, c'est une lutte qui est bien importante. Quand on peut écouter nous la radio, on peut baisser le volume radio parce qu'il n'y a pas pour tant nous sinon le téléphone. Alors, aussi peut-être nous assistons, hein, docteur, qui se fait un diagnostic à travers X-ray. Non, alors, est-ce qu'il trouve, à travers les images X-ray, il est suffisant pour trouver qui peut arriver? Oui ou non, OK? C'est une investigation bien basique, comment dire. Première investigation, c'est quand une personne vient, tient un doute, et surtout une personne qui fume cigarette activement, c'est nous demander un radiographe des poumons, OK? Mm-hmm. C'est X-ray. Spécialement, chest X-ray, nous connaissons qu'il n'est pas un diagnostic, comme on dit, bien approfondi. C'est seulement qu'il y a plusieurs fois, il y a quelque chose, il commence bien de cacher quelque chose. Il y a certaines limitations.
OK? Mm-hmm. Mais seulement quand même. Avec un extrait, ou pas capable, ou quand il y a pour mon là en entier, il est en 3D. Non, non, pas en 3D, ça, il y a un 2D film, comment dire, des images. Nous peinons à 3D, mais des images dans l'extrait. En poumon. Donc, vous pouvez se dévoiler pas trop pas derrière. Voilà, voilà, exactement. Un petit peu bonne view qui est une single view qui est là. C'est dedans. Après, si il y a un concert qui est vraiment un commencement des concerts, nous pas pour tout oublier dans l'extrait. Il y a un bon overlapping avec bon les jours, bon d'autres organes dedans qu'on nous fait extrait. Il y a un petit en milieu, midastinum, il y a un côté des shadows de l'équerre. Il n'a pas d'IA, c'est quelque chose. Il y a limitation dans l'extrait. Mais seulement si un conseil qui, par exemple, la plupart, comme on nous dit, que bah, parfois, il y a une personne qui est venue dans un stage, un peu de avancer. Si il y a un nodule qui déjà commencé, qui vient assez paraître dans son extrait, il peut définitivement montrer nous. Il y a une image qui n'est pas nous trouver. Quand on regarde un extrait, nous trouver qu'il y a un peu louche, il n'est pas dans une faction, il n'est pas dans d'autres maladies. Ces images qui étaient là sont un petit peu des images, des comment dire, comme structure, comment ils étaient là. C'est les donne un doute. Oh, parfois, ils sont capables de trouver quelque chose, de comment dire, un délo dans le poumon. Dans l'extrait, les images sont capables de catcher ça, délo dans le poumon aussi. Les NNC qui viennent investiguer, faire encore un cas là-bas. Alors, vous pouvez expliquer ça, docteur, quand vous dites qu'il y a un délo dans le poumon, qui ça veut dire, qui sont les symptômes? Donc, il y a Jean-François, s'il est là, bonjour. Oui, bonjour Nathalie. Oui, bonjour Jean-François, enfin. Oui, bonjour. Bonjour docteur. Finalement, bonjour. Finalement, oui. Mais ma question c'est, moi tu peux fumer, moi tu peux boire. Le problème c'est qu'il m'en arrête de fumer. Depuis que je suis malade, je me suis cassé les idées dans la tête. Oui. Docteur, il m'arrête de fumer, arrête de boire. Ok, il m'en arrête, il m'a pris un an et demi. Right. Il y a un an et demi. Mais ma question, c'est que moi j'ai envie qu'on ait, c'est que combien de temps ou pour mon point pour rétablir pendant sa manpère qui m'a fumé environ. Mais c'est Jean-François. J'ai fumé à peu près, il y a 10 ans, déjà, j'ai fumé, et j'ai jamais arrêté. 10 ans, on fume cigarette. Combien de cigarettes par jour? Combien de cigarettes par jour, Jean-François? Ça dépend, 10, 6, 8, dépend. Oui, OK. Qui l'âge, vous avez, M. Jean-François? Parce que, 38 demandé. Ans. Quel âge? 38. 38 ans. Oui, OK, c'est bon, on fait une bonne décision pour quitter cigarette pour mes affaires, mon cas, il y a où qu'il y a une décision bien, bien appréciée, OK? Nous, on vient continuer dans le même chemin qui ne pas fumer cigarette encore. C'est pour connaître exactement est-ce qu'il y a un effet avec la cigarette, là. C'est normalement, c'est certains signes, si vous avez une infection respiratoire souvent, si vous avez un bronchite souvent, ou tous beaucoup. Beaucoup. Là, on dit qu'on arrête, tu sais tout. Oui, ben c'est bon. Je pense que, ouais, c'est, comme on dit, si plutôt ou arrête cigarette, ou pour il y a beaucoup de l'année pour refaire au poumon là. Okay? Après certain temps, comment dire, il est un petit peu difficile pour dire qu'il y a combien de temps pour prendre pour dégager. Parce que définitivement, depuis qu'on a une cigarette là, depuis qu'on a une cigarette depuis un an, ou dans bon voie, ou si continuer des mêmes voies, pour dire ou que vous pouvez même parler comme une personne qui ne fume pas cigarette. Non, dis bon, après, je réfléchis, parce que vous comprenez, parce que, étant que je réfléchis la vie, c'est je suis un enfant, mais si vous tapez, vous pouvez mettre du poison dans les gros vidéos. Bien sûr, définitivement. Vous pouvez mettre du poison dans les gros. Oui, oui. Vous voyez, au casque, vous n'avez rien, vous pouvez détruire vous-même, puis tout. Voilà. Alors, Jean-François, est-ce que c'était une décision rapide qu'il prend? Comment est-ce qu'il prend sa décision-là? Bon pour partager avec l'information, oui. Comment on va dire où? Moi, j'ai une hésite. Oui. Moi, j'ai une hésite qui s'en tipe, qui veut me mettre en dedans de la tête. Et là, on a le docteur, l'italien dit, il demande, c'est pas mon fumier, c'est pas mon bon. J'ai dit, oui, moi, je fais mon bon. Il demande, vous arrêtez ça net, vous arrêtez ça, fumer, ça boit là. Depuis ça, on arrête net. Non, les bon, bonne décision. En tout cas, félicitations et nous espérons que, Jean-François, ou un role model, comme on le dit, ou un exemple, hein, pour beaucoup de monde qui peut fumer, et que ce n'est pas dramatique hein, d'arrêter de fumer, ou la vie peut continuer normal, non? Comment ça se passe? Oui. Mon sentiment bien, mon sentiment correct, mon fait mon exemple. Mon sentiment, allez. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a des gens autour de vous, vous comprenez vos décisions? C'est tout, mon madame, bien content, on arrête tout ça, on va faire là. Voilà, exactement.
Ouais. Okay. C'est famille qui premier. Famille qui premier voilà. Apprécier les au reste de bonne santé. Bonne santé comment oui. Comme je pense à dire, il y en a beaucoup de la vie, les jeunes, ils prennent une décision pour rester dans bonne santé. Hein. Mm-hmm. C'est effectivement, si vous continuez les cigarettes, c'est amène beaucoup de problèmes. Hein. Dans la vie, hein. Et ce qui est bien aussi, c'est que Jean-François Pézianou est résisté hein, oui, pendant oui. Puisqu'il y a un an, il n'arrête de fumer. Donc, Jean-François, moi, pas connu, c'est pas où il y a un message pour Ben Zimoun qui a envie d'arrêter de fumer. Malheureusement, l'appel a été coupé. Peut-être que si Jean-François a un message pour Ben Zimoun qui a envie d'arrêter de fumer, Avishti qui nous assistante à la réalisation pour prendre au message. Et nous pouvons transmettre le message à tout Ben auditeur qui paie, écoute-nous en ce moment. Et comment vous connaissez ce programme-là pour passer tantôt l'Océane Créole, ben téléspectateurs aussi, pour capable prendre connaissance hein, de messages qui vous êtes pour vous, parce que c'est un message, c'est une décision bien difficile qui vous prend, mais il est très faux en même temps, hein, docteur. Exactement. Ouais. Une décision qui est bien faux. Oui, c'est nous disons remarque ça qui si on a beaucoup de dépendance de la nicotine, il y a une décision vraiment difficile. Parce seulement, que, ouais. Seulement, nous aussi dit, continuer à dire à une personne qu'il y a une décision, la plupart reste avec lui. Il est bien volontaire. Premier exercice, bien volontaire pour quitter la cigarette. Bien volontaire. Il est bien dans faux dans la tête. Il est pour définitivement, il a un rafro devant qu'on lui a envie de quitter la cigarette. Il a beaucoup de dépendances, beaucoup de cravings qui lui viennent. Spécialement s'il continuait dans son même stage, qu'il est bon d'écouter qu'on ne pas fume cigarette, il y a beaucoup de facteurs qui améliorent sur la santé. Une cigarette n'est pas affectée pour moi seulement. L'effet aux tensions, l'effet à l'équerre, l'effet aux tensions artérielles. Il y a une personne qui fume cigarette, il y a aussi un risque pour un cancer oral, cancer de la gorge, cancer stomac, l'estomac, cancer prostate, colonne. Ou les corps entiers, malades avec ouais. Cigarette. Hein? Nous remarquons ça quand une personne commence à être cigarette, l'effet est bien rapide, on commence à trouver. Donc, comment dire, premier jour, même on commence à trouver que le tension peut commencer à settle down. Alors, on va prendre l'appel, ouais. Docteur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va très bien, merci. Ça va? Je connais le programme de bientôt pour bien sûr, ça depuis longtemps. Mais moi, tu connais beaucoup de l'eau là, au conseil de l'Ouanteur, ça là. Le cigarette, après, ben, ça fait qu'il fait qu'il y a un conseil, encore, moi, je connais, ben, ça fait qu'il se colle de la main, tatouage, ça va nous faire qu'il fait qu'il y a un malade, ça. La personne n'est pas au courant, mais je pensais, si la personne n'est pas au courant, moi, j'espérais qu'il s'arrête de coller de la main. Mais. Parfois, ça va une chose là qu'on ne peut pas éviter, ce qui m'a tout ben, ça fait que je sais pas comment dire. Ben, une personne qui a un handicap qui est un peu difficile, et heureusement, il y a un docteur qui peut suivre tout. Qui il y a un docteur qui est bien bon. Mais, moi, trouvé des bien important. Je suis capable de suivre cette personne qui a un handicap là, en plus, il y a un malade là, parce que vous connaissez déjà tout un handicap. Si vous avez un malade, il devient plus difficile pour vous en occuper, vous devient plus problème pour vous même. Vous comprenez? D'accord. Moi, je vous fais un appel, si capable, tout bon des moyens pour savoir une personne assise, un peu plus, si capable, faire bonne chose, exercer bonne chose, guetter, on peut résoudre bien certains problèmes là, hein? Ça, tu peux meilleur. Très bien. Alors, c'est Moustapha. Merci beaucoup, en tout cas, hein, Moustapha, de votre appel. Donc, Moustapha, qui est de nous ce point de vue, mais nous, pas pour qu'elle prononce nous, hein, oui, l'eau, tatouage, malheureusement, il faut dire qu'il y a une étude qui vient démontrer ça, bien scientifiquement, vient prouver. Nous, nous, pas qu'à. Hein, à nos niveaux, hein, dire qui voilà tatouage bon ou bien pas bon, donc c'est bien l'étude seulement qui peut capable. Oui, définitivement non, pas avec cancer pour moi. Hein. Voilà, heureusement docteur. Hein. Donc ça c'était un témoignage hein, ouais, de Moustapha et puis Philippe Zianou pour Ben Zimoun peut-être qui est handicapé. Ouais. Ena de toutes les façons ben suivi non. Non, je pense qu'il y a ben d'autres problèmes des ben personnes handicapées, c'est dépend quel type de handicap, ok. C'est normalement c'est ben problème des soins l'écho parce que c'est ben bad chose aussi des personnes qui ont des handicaps des si peut mentionner un handicap des poumons, c'est parfois une certaine déformité dans le poumon qui les cas donne un problème de infection respiratoire, pneumonie, qui est un peu plus concerné. Un soin médical en général.
Puis pas vraiment un cancer poumon qui a une personne qui est handicapée. Il y a un risque pour gagner un cancer poumon plus qui va. Non, c'est en général médical, un soin médical. Donc, vous pouvez dire qu'un dîmoun handicapé n'est pas plus à risque non. que les autres dîmouns pour gagner un cancer, non, par non, exemple, non, là, depuis qu'on ouais, se poumon. Non, non, ce n'est pas d'aucune étude. Non. Très bien. Et docteur, avant de faire une pause, avant de prendre l'appel, nous avons cause de l'eau dans le poumon. Oui. C'est une affaire qui nous tendait bien souvent. Qui cause sa maladie là? Oui, non, c'est comment dire, nous aujourd'hui, nous cause le raison cancer poumon, mais du qui et n'a pas attention de certaines personnes, ils venaient avec essoufflement. Comment dire, essoufflé quand ils marchaient, ils étouffaient. Mm-hmm. OK? Puis quand on lui fait extrait au radiographe, première investigation, nous trouve une présence de l'eau dans son radiographe. C'est ça, c'est un signe qui est OK, il y a de l'eau dans son poumon, bien investigué. Ça veut dire, à ce point-là, nous faisons une certaine procédure, nous disons un pleural tapping. Comment ça veut dire quoi? Comment dire, une patiente nous fait mettre une aiguille dans son côté-côte. Supposément, c'est de l'eau dans le poumon, côté droite, là. Nous fait comment dire, nous fait une préparation marchand là dans admet marchand là nous fait une puncture donc li admet la veille comment se fait les agents ça non c'est pas nécessaire agent est-ce qu'il fait là sous anesthésie non il est sous local anesthésie d'accord ouais local anesthésie il y a une procédure bien simple. Okay. Mais est-ce qu'il est grave, ça, docteur, quand il y a de l'eau dans le poumon, ou bien il y a de l'eau dans le poumon après les caragueries? Non, écoute, de l'eau, c'est comme la fièvre. Les symptômes. Nous avons besoin de se cause. Mm. De l'eau, il est capable de venir à cause d'infection aussi. C'est un peu pneumonie aussi, il y a de l'eau. Il y a de l'eau de cause de tuberculose. Il y a de l'eau de base de cause de pneumonie. Il y a de l'eau de cause d'embolie pulmonaire. Il y a de cause sans des côtés en dehors des poumons aussi. Mais et là, sur guérison, oui, oui, définitivement. C'est tout dépend de raison. S'il y a une infection, quand l'infection est finie, de guérir, sur de l'eau aussi, il finit de disparaître. Il y a une bonne cause. Dépend de cause. Mm-hmm. Quand nous connaissons de l'eau, comme on vous expliquait, qui nous fait une puncture, nous analyse dans le laboratoire pour guetter sur quel type de bonne cellulaire il y a. Mm. Okay? Ça, c'est une façon de nous investiguer le cas de cancer poumon. Parce que de la plupart des cancers poumon qui affectent le poumon intérieur, okay? Aux bronches, les personnes qui comment dire, activement, nous faisons d'autres tests, beaucoup de tests, comme on dit, pas seulement des tests qui aident nous, c'est scanner un thorax. Scan. Un CT scan, thorax. Mm-hmm. Ou nous faisons une bronchoscopie, une endoscopie, nous passons un tube avec caméra, nous passons par le nez, nous on dans la gauche, trachea, nous on descend dans son côté bronche, côté droite, côté gauche, nous regardons derrière. Plusieurs fois, il y a un problème dans son bronche même. OK? Mm-hmm. Il y a un petit gosset dans le poumon, dans la bronche, que nous ne pouvons pas faire directement en bas de la caméra, nous faire une biopsie. Mm-hmm. Et vous faites ça? Patient-là endormi, ça? Non. Endormi? Légèrement dit dans parfois le sud-achat. Normalement, c'est fait sans dormir. Hein. Ce n'est pas une anesthésie générale, non. Mm-hmm. C'est une normale procédure. Il y a cas faire une day-care procédure aussi. D'accord. Un patient est venu le matin. Mais quand même, à jeun. Le patient est venu à jeun. Okay. Il fait cette procédure, bronchoscopie, endoscopie. Après, un certain temps, il nous observe le patient-là. Après, il retourne à la maison. Mm-hmm. C'est une procédure, comme on dit, une outpatient procédure aussi. Mm-hmm. OK? C'est un test bien important, bien fait pour une personne de qui a d'autres cancers, pour regarder ce bronche intérieur, est-ce qu'il y a certains problèmes? Parce que pour établir un cancer, nous supposément qu'il y a un tissue diagnosis, comme on dit, un petit bout cancer-là, pour analyser, pour faire une biopsie, pour analyser. Est-ce qu'il y a un cancer dans son biopsie là? Assez important pour donner son nom. Nous devons connaître qu'il y a des cancers, parce que le cancer poumon, c'est un deux types de cancer poumon. Un petit cellulaire et un non-petit cellulaire. Ça veut dire quoi ça, docteur? C'est un nom de cancer. Ça dépend sur une cellulaire, base de cellules qui sont trouvées dans le cancer poumon, et établir des classifications. OK, and then a small cell cancer, comme un petit cellulaire, avec un non-small cell cancer, non-petit cellulaire. So, nous, anti-limon, nous trouvons que non-petit cellulaire, c'est 85% de personnes de cancer. Pour moi, c'est non-petit cellulaire.
C'est les différents, les présentations différentes, sur traitement différent. C'est encore ça, c'est bien important pour faire un diagnostic, pour prendre biopsie, certains matériels. Parfois, nous, bien, quand on fait bronchoscopie, nous pas trouve grand-chose dans ce bronche. Ça veut dire nous confère biopsie, possibilité d'un peu négatif. Parce que parfois, il y a un nodule dans ce scanner, il y a un petit peu à côté côte. Côte nous capable de faire une biopsie en bas scanner, mettre une aiguille, grosse aiguille, dans, directement dans le côté nodule, au côté grossesse, la côté était là, pour prendre biopsie, après pour analyser dans le laboratoire. C'est hautement, comment dire, bien, bien important pour faire biopsie, pour connaître le nom des cancers. Qu'est-ce qu'il y a plusieurs cancers, comme on dit, un petit cellulaire, avec non petit cellulaire, nous avons non petit cellulaire, nous avons plusieurs cancers, types de cancers devant. Mais, comment dire, nous connaissons qu'il y a trois cancers qui sont les plus importants dedans, c'est adénocarcinoma. C'est bien commun dans les moments. Il y a numéro un cancer dans non petit cellulaire. Après, il y a squamous cell carcinoma. C'est un type de cellule, c'est oui, dépend de cellule. C'est le nom, c'est dépend de cela. Adénocarcinoma premier, deuxième, c'est squamous cell carcinoma. Après, nous avons large cell carcinoma. C'est important pour différencier tout un type de cancer. Les larges de traitement. Pour traitement. C'est bien important. Après, because, comme on dit, nous avons beaucoup d'avancements pour faire un testing à ce jour, hein, ces cancers. C'est pas, nous faisons dans le test clinique ici, dans pour lui. Nous faisons test dans le test clinique, OK? Ben biopsie. Après, nous, on va faire ce test-là pour dans Condos, le laboratoire Condos. Ben là, tester pour ce biopsie-là, pour donner nos noms. Après, il y a plusieurs tests encore pour faire l'eau l'homme. Si par exemple, il y a un cancer adénocarcinoma, nous faisons d'autres tests le plus profond pour connaître ben, génétiquement. Il y a un certain changement de génétiquement dans ce ben type de cancer pour avoir un meilleur traitement pour ce patient-là. Et en parlant de génétique, docteur, est-ce qu'il y a cancer poumon, les génétiques, les héréditaires? Ah oh oui, définitivement, oui, c'est possible de nous dire exactement. Puis, il y a quand on dit qu'il y a une personne qui ne fume cigarette. Ou il y a un nombre de personnes qui fument cigarette, puis seulement un petit peu de nombre de personnes qui ont poumon. Définitivement, il y a un rôle qui est génétique qui peut jouer dedans. Nous déjà connaissons qu'il y a une personne, si une family history, comment dire, quelqu'un dans la famille a un cancer poumon, les possibilités, s'il y a une certaine gene qui met them, comment dire, un petit peu à risque plus pour connaître sa possibilité, comment dire, une possibilité pour cancer pour dans l'avenir là. Comment nous connaissons qu'un cancer sain, il y a une certaine gene qui est établi qui ok si ou non. Ben expert lui dit qu'il faut faire une opération avant, puis comment dire, on déjà entendu parler qu'il y a une personne qui a déjà fait mastectomie pour diminuer ce risque. Oui. Malheureusement, il n'y a pas aucun des cas dans le poumon, puis seulement, quand même, comme on dit, si vous avez une family history dans la case, qu'il y a quelqu'un qui a déjà un peu vivre avec cancer poumon, ou parents qui ont un cancer poumon, at least une personne qui prend une décision ne peut pas fumer cigarette. Pour diminuer des risques, encore pour ne pas augmenter le risque pour le cancer poumon. Et tu as dit, docteur, qui a un symptôme et a des gens qui toussaient. Alors, il y a des gens qui ont Jean-François, il y a des gens qui peuvent tousser. Est-ce qu'il y a une différence entre un gens qui toussaient gras ou bien toussaient sec? Vous connaissez une fois où la grosse grattée, qui a toussé. Qui a été toussé au pédien nous là? Oui, Nathalie, un toussé là, il y a un symptôme bien commun. Oui, parce que tout le monde toussait. Hein? Oui, donc, toussait la gauche, toussait un petit peu respiratoire, infection respiratoire. Mais il y avait des gens qui toussaient bien gras, hein, ou tendaient, comment dire, ils appellent ça. Oui, il y a toussé gras là, quand il y a une bronchite, quand il y a une infection, il y a un peu dans bronche. Mais excusez-moi, il y a une pneumonie. Il y a beaucoup de flemme. Beaucoup de flemme, oui. Puis, d'autres fois, comment dire, dans bronche, nous avons certaines glandes qui font mucus. Normalement aussi, nous avons certains liquides qui les produisent tous les jours. Précisément, un an qu'on a une infection par virus ou par bactérie, ou commence à faire sa production de mucus là, les plis. À ce point-là, une flamme là, une grosse. Tout dépend de qui cause était là, ok? Et on a certaines bactéries qui est typique, les fait ou gagne tout ces sec. Et on a certaines bactéries qui les fait beaucoup de production de mucus. Après pneumonie aussi, hein, même affaire, pneumonie aussi, il fait une mucus production dans un poumon. Et après personne,
And to say and aussi un comment dire un réflexe protective. Les tout qui ont dans les bronches, s'il n'est pas bien intérieur, il fait où amène dehors pour cacher, pour tirer dehors, pour respirer plus bien. Et une pneumonie, docteur, c'est quoi exactement qui se différence entre pneumonie et bronchite? Bronchite, c'est une infection ou inflammation des niveaux bronches. Bronchite, c'est une bonne conduite qui est un peu rond, qui sortit, comment dire, commencer par trachéa, il est un peu divisé par bronche, continuer comment dire, diviser jusqu'à le terminer dans côté niveau poumon alvéolaire. OK? C'est infection, inflammation dans ce bande conduit là, bronche là, il y a une bronchite. Puis seulement pneumonie, il y a un peu plus sévère infection des côtés poumons. Côté poumon, son main fonction, poumon son fonction, c'est qui côté faire oxygène, ben mix match, ben gazes là. Puis quand on a une infection qui est plus loin dans l'alvéole part là, comme terminal part, en dedans, à ce point-là, vous commencez une pneumonie. C'est une pneumonie qui est présente dans le radiographe. Ou quand nous faisons un X-ray, nous trouvons une patch, parfois les patchs blancs, nous disons qu'il y a une personne qui a une pneumonie. Okay? C'est une pneumonie bactérielle ou virale, comme la COVID même. La COVID, elle est affectée pour moi. Oui. Il y a une tasse qui est blanc tasse qui est passée, qui montre nous une pneumonie virale. Après, une pneumonie bactérielle. Okay? C'est les, comme ça. Après, comment nous aussi connaissons qu'une personne qui fume cigarette aussi, elle est capable d'avoir une pneumonie. Pneumonie qui est capable de base underlying cause du cancer. Ça veut dire tout dépend des risk factors. Nous bien prendre en global. Nous pas capable de prendre seulement une personne qui 20 ans et tout ça, nous mettre dans la catégorie d'un cancer. Non. C'est tout dépend du nombre de présentations. History premier. Nous bien prendre une bonne histoire. Comment il a commencé, quelle présentation, est-ce qu'il a fait, pas de la fièvre, tout ça sec, gras, est-ce qu'il y a d'autres symptômes maintenant? Alors, est-ce que le cancer du poumon donne la fièvre, docteur? Oui, comment dire, c'est une pneumonie, il a présenté avec la fièvre aussi. Hein? Oui, c'est des quelque chose. Parfois, il y a aussi une compagne des affaires qui, c'est comment dire, cancer poumon, il n'est pas présenté avec symptômes seulement cancer des poumons même, il a présenté avec les douleurs les os, donc des colonnes vertébrales. Qui lui dit qu'il y a un cancer qui est déjà métastasé. Il est loin des côtés niveau poumon. Parfois, il présente avec des symptômes, des distant symptoms. Plusieurs fois, nous avons une patiente, nous découvrons un cancer poumon après qu'on fait un scan des côtés de la colonne vertébrale. On trouve quelque chose d'abnormal. Nous trouvons que ouais, ces personnes ont un risque facteur de l'âge, des cigarettes. Quand on fait un X-ray, on trouve quelque chose dans son poumon. Parfois, une patiente, il est présenté avec une congestion dans la tête. Quand nous trouvons un scanner à la tête, nous trouvons qu'il y a un problème abnormal. Possible s'il y a une métastase, nous commençons à chercher première. Et dans beaucoup de cas, la première fois, nous trouvons qu'il y a un cancer poumon qui a commencé là-bas. Et docteur, est-ce que l'âge, il y a un facteur de risque ou bien il y a aussi un cancer poumon? Moins cas. Nous constatons qu'il est bien rare qu'il y ait un cancer poumon en bas 40 ans. En bas 40 ans. C'est là-haut 40 ans, 45 ans, c'est risque d'augmenter, comment dire, l'âge est monté. Là-haut 50 ans, 55 ans, c'est définitivement l'âge est augmenté, risque d'âge fait augmenter. Et docteur, dans tout ça là, il y a une bonne nouvelle. Si un patient vit dans l'hôpital Bonaire, il y a un traitement, est-ce qu'il y a guéri, il y a sauvé sur la vie, qu'il y a un traitement qui existe? OK. Quand nous faisons une prise en charge pour, par exemple, pour diagnostic d'un cancer, c'est, comment expliquer, plusieurs tests que nous faisons, X-ray, CT scan, bronchoscopie, parfois nous faisons de l'eau, tirer de l'eau, faire biopsie pour analyser. Entre-temps, quand nous trouvons ce qui est là, nous pouvons déjà peut travailler le cancer. Entre-temps, nous planons pour guetter quel stage le cancer est présenté. Okay? C'est stage, staging is very important, comme on dit. Quel stage était la personne? Est-ce qu'il stage premier, deuxième, troisième, quatrième? Okay? Il tout dépend de la taille du cancer. Est-ce qu'il y a une glande dans son médiastinum, ou une glande dans le cou, ou une glande dans le dos, ou il y a une métastase? Est-ce qu'il y a d'autres organes qui affectent le foie?
un grand adrénal, ou dans les os, ou dans d'autres côtés. C'est, si une personne est venue un peu tôt, parfois nous arrivons dans l'état qui nous peut faire un screening en général, peut faire un X-ray, personne n'a aucun symptôme, nous trouve quelque chose dans son X-ray. Personne n'a aucun symptôme. Puis dans ce cas-là, parfois, arriver ici une personne qui vraiment a une chance, si un stage, comment dire, bien avant, premier stage, nous offrir-lui pour faire une surgical option, comment dire, surgery, opération. Capable d'opérer pour mon capable docteur? Opérer, ouais, capable d'opérer pour mon docteur. C'est-à-dire capable de couper un bout de poumon? Couper un bout de poumon, yeah. Couper un poumon, un gros bout de poumon ou un entier poumon. Nous poumon-là entier ou tiède? Si besoin. Si besoin. Si besoin. OK? C'est énorme, c'est un, comment dire, une personne qui peut vivre avec un poumon aussi. Mm-hmm. Définitivement, il peut y avoir. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec un seul côté avec poumon. Un poumon, ouais. Là. Mm-hmm. C'est, si, nous trouvons qu'il y a, nous avons trois options pour traitement. C'est, première option, c'est surgical option. Option surgical, mm-hmm. comme opération. Si, sur le stage paramètre, une personne qui est dans un stage bien avant, premier ou deuxième, comment dire, plus avant. Mm-hmm. C'est une personne de bonne santé, comment dire, pas de, beaucoup de risques facteurs, il n'est pas trop âgé aussi. Il y a une possibilité pour aller faire opération pour tuer sa poumon qui est malade. Mm-hmm. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de chances qu'il va vivre un peu longtemps. D'accord. OK? C'est seulement, malheureusement, nous trouvons qu'il y a un cas qui nous gagne dans Moïse, entre les mondes aussi, mm-hmm. qui la plupart du cancer poumon qui est déjà découvert après stage 3D, DB ou 3 ou 4. Alors, docteur, rapidement, parce qu'il nous arrive presque à la fin de l'émission, bah. Un dimon qui présentait à un stade 2. Cancer des... poumon. Qui ben symptôme li gagne li? Non, symptôme là, les possibilités parfois li pena aucun symptôme. Pena aucun symptôme, nous découvrons li comme ça même, ok? C'est des screening programme ou ben symptôme pareil, comme on peut de la toux, ben cas du sang, quelque chose. Alors, tout docteur, quelle est la solution à tout ça? Est-ce qu'il y a un dimon bizarre à l'hôpital ou ça se bizarre avec votre médecin privé, faire un check-up de poumon tous les ans? Qui vous dit à où? Enfin, si nous regardons, si nous guettons ben certain pays qui est avancé, ben là, nous mettons des guidelines pour une personne qui fume ses guides activement, mm-hmm. l'âge là où 50 ans, 55 ans. Mm-hmm. Il faut bien faire un test régulièrement chaque année pour faire un CT scan. Okay? Puis il y a quelque chose de débat toujours pour continuer. Est-ce qu'il vraiment change quelque chose ou non? Mais seulement, il est toujours là. Ben, c'est un pays qui le fait. Ou capable, comment dire, veiller. Veiller, comment dire. Parce que les gens comprennent qu'il y a un scanner, il y a une radiation, il est exposé avec radiation aussi. L'eau, il dit qu'il y a une low dose CT scan, mais mm-hmm. quand même, il y a une certaine place négative. Okay? C'est mon de côté niveau, comment dire. Prévention. Prévention, c'est meilleur, c'est qu'il, comment dire, pour connaître qui conserve. Si vous avez une bonne boîte de cigarettes, il y a déjà enchaîné beaucoup d'affaires dedans. OK? Si on peut fumer cigarette depuis longtemps, définitivement, si on a un symptôme après l'âge 40 ans, 45 ans, ou si on a family history dans des cancers, si on a besoin de présenter un peu plus bonheur. OK? Deuxième, c'est comment dire, c'est plus bon action que si une personne qui prend, c'est arrêter la cigarette. Pour diminuer ce risque de cancer dans l'avenir. Mm-hmm. Comme Jean-François disait qu'il quitte la cigarette depuis un an, il peut sentir mieux. C'est pareil comme ça. Si une personne fume quitte la cigarette, n'importe quel âge, hein, c'est l'âge 50 ans, 60 ans, c'est l'effet là pour positif pour venir même. Parce que l'effet négatif pour couper dans son écho, il n'est pas pour continuer à gagner ce dommage qu'il fait pour des bronches pour moi, il est pour vivre plus long, il est vivre plus bien. Donc, le mot d'ordre, docteur, pour nous terminer l'émission là, nous avons moins qu'une minute pour terminer. C'est qui au bureau de nous, bizarre, arrête de fumer. Prévention. Prévention, comment dire, il y a une plus important dans un cancer poumon, surtout s'il y a un cancer poumon qui, surtout comment dire, nous pouvons constater beaucoup de cancers qui viennent d'un stage terminé, terminé stage, comme un last stage ou troisième stage. So, la vie est vraiment, vraiment courte. C'est un cancer qui ne peut pas être découvert dans très tôt. Personne ne peut venir devant pour faire un test, comment dire, assez rapidement. Mm-hmm. C'est vraiment très peu de bonnes pourcentages de bonnes personnes qui allent faire opération. Puis de la plupart, il y a la chimiothérapie. Puis la chimiothérapie, il y a l'avantage. Si
ou dans certains types de cancers, dépend de nos carcinomas, c'est présent, ils répondent plus bien mm-hmm. que d'autres cancers. C'est à cause de cette raison qu'il y a certaines limitations avec traitement. Le meilleur, c'est prévention. Prévention de ce bon cancer poumon. Donc, le mot d'ordre pour éviter cancer poumon, mais aussi beaucoup bien des autres maladies, arrête de fumer. En tout cas, merci beaucoup à vous qui nous suivent nous ici au Cool FM. Nous disons à très bientôt. Merci, Dr Kumar. Vous venez répondre à toutes nos bonnes questions. Merci. À bientôt. Merci. 9h-10h. Mauricien, connu la santé avec Nathalie. Cool FM.